Bois douce. Nous allons aborder la sidra de Nitzavim, qui est celle que l'on lit généralement avant Rosh Hashanah. Le Shabbat qui précède Rosh Hashanah est donc finalement le Shabbat du 12e mois de l'année ou du 13e. Et contrairement aux autres, ce Shabbat-là, la coutume n'est pas de bénir le mois qui vient. Quelle est la raison profonde à cela ? Le Admor HaZaken enseigne au nom du Baal Shem Tov que la raison pour laquelle le peuple juif ne bénit pas le mois de Tishri, donc ce Shabbat de Nitzavim, est parce que c'est Dieu lui-même qui bénit ce mois-là. Par sa bénédiction, nous avons la force, nous, de bénir les 11 mois suivants. Quel est le contenu de la bénédiction de Dieu ? Elle est précisément dans les mots de cette sidra de Nitzavim. Nitzavim veut dire « Vous vous tenez debout, fermement, tous ensemble, devant l'Éternel, votre Dieu. » Ce mot Nitzavim, qui veut dire « debout » avec une certaine fermeté, c'est une expression que nous trouvons dans le Talmud, puisque nos sages nous enseignent « Nitzavim, c'est comme Nitzav Meler, le roi qui se tient avec toute sa force et toute sa gloire. » Et selon l'expression du Talmud, par sa parole, le roi déracine des montagnes. Quelle plus belle bénédiction Dieu peut-il nous donner à la veille d'une nouvelle année, qui sera une année certainement de bénédiction, de facilité, d'abondance, de santé pour tout le monde, mais peut-être aussi une année parfois d'épreuves, parfois de difficultés. Et le peuple juif sait qu'il est debout avec toute sa fermeté parce que Dieu lui donne la force d'être comme un roi qui a la puissance de déraciner des montagnes. Nitzavim, c'est l'assurance qui nous est donnée que l'année qui vient, et pas une année que nous allons subir dans notre façon de vivre le judaïsme, mais que nous allons assumer, pas simplement avec courage ou volonté, mais essentiellement parce que Dieu nous en donne la force, c'est sa bénédiction, c'est celle de Nitzavim, c'est le sens même de ce mot. Mais il y a une condition à Nitzavim. Le mot suivant de cette bénédiction est « tous ensemble ». C'est-à-dire que, oui, vous êtes debout, mais vous êtes debout tous ensemble. C'est que le peuple juif ne retire sa force et sa puissance par rapport au monde et par rapport à ceux qui veulent lui nuire que parce qu'il est uni. Tous ensemble veut dire qu'il peut y avoir des différences dans le peuple juif. Il y a, comme dit le verset, ceux qui sont vos têtes, vos chefs. Il y a ceux qui sont de simples puiseurs d'eau, de fendeurs de bois. Mais parce qu'ils sont tous ensemble, ils ont une force qui est celle de pouvoir déraciner des montagnes, comme on l'a dit, et qui est une force extraordinaire. Alors continuons la lecture de ce verset qui, comme on l'a dit, contient la bénédiction de Dieu. Vous êtes debout, fermement, tous ensemble, devant Dieu. C'est que votre unité, notre unité, c'est celle qui nous met devant lui, c'est-à-dire celle qui nous relie par la Torah, par le judaïsme qui nous est commun, par cet extraordinaire patrimoine spirituel qui est le nôtre et qui fait la richesse et l'unicité du peuple juif. C'est parce que nous sommes devant lui, en particulier ce jour de Rosh Hashanah, en particulier au seuil de cette nouvelle année où nous souhaitons toutes les bonnes choses à chacun, mais c'est parce que nous sommes donc devant lui que nous avons cette force extraordinaire et que nous avons cette unité extraordinaire. Le verset dit « Aujourd'hui, c'est aujourd'hui que vous tenez tous devant lui. » Aujourd'hui signifie normalement le jour de Rosh Hashanah. Mais on peut comprendre qu'aujourd'hui, c'est également le jour où nous lisons ce texte de la Torah. Et comme le dit le Talmud, lorsque un juif lit le texte de la Torah, eh bien Dieu le répète avec lui. Et c'est avec cette force supplémentaire que nous pouvons souhaiter à chacun de nos familles, à chaque membre de notre famille, à chaque membre du peuple juif, à chacune de nos connaissances, que cette année soit une année de bénédiction matérielle, mais bien sûr également de bénédiction spirituelle, et que cette année soit celle de la délivrance générale du peuple juif,
individuelle et collective avec la venue de Mashiach Tzidkenu, Shana Tova Umtuka.